ensemble. J'espère qu'il y en a qui sont bien assidus, qui travaillent bien chez eux. On peut refaire hein, les vidéos dans le sens que l'on veut, hein, là, de la 2 à la 3 ou commencer par la 5. Chacun fait comme il veut, d'accord? Alors on va commencer debout en position V pilate, c'est-à-dire que j'ai les talons collés et les orteils écartés en rotation externe au niveau des chevilles, d'accord? Donc j'ai la totalité de mes jambes qui ne forment qu'une seule même jambe. On commence déjà à s'aligner, on met en place son principe de base, je le rappelle, on a quand même malgré tout les genoux souples, hein, on n'est pas verrouillé avec les genoux barrés, on les maintient en place mais on est souple sur au niveau de ses genoux, les pieds sont parfaitement ancrés dans le tapis, le bassin est en position naturelle. On remonte le long de la colonne vertébrale, on visualise cette colonne qui s'étire, qui s'allonge, qui s'aère, hein, chacune des petits coussinets là, qui s'aère sur chacune des petites vertèbres. Cette notion d'allongement, d'étirement et de décompression de la colonne. D'accord, on décompresse cette colonne. On est attiré par le sommet du crâne vers le ciel et absorbé par la terre au niveau des pieds. On s'allonge, on s'agrandit, on maintient son placement. Je vous rappelle, cette ceinture scapulaire, elle est basse, donc je viens amener légèrement mes épaules vers l'arrière pour faire glisser ces petites omoplates, et j'imagine que ces omoplates, elles sont glissées dans des poches imaginaires au niveau de mon pantalon. Je suis placée, les bras sont le long du corps, fluide, j'ai ma mandarine, mon regard est en face, moi je vous regarde, attention, même si je suis à travers l'écran, je vois ceux qui font un mauvais placement, attention à la rentrée, ça va terrible. Alors, on se place, on inspire, respiration fluide. Allez, on met l'emphase sur cette respiration qui est plus ou moins fluide pour l'instant. C'est-à-dire que je vais venir inspirer par le nez, respiration en arrière-gorge, hein, par la trachée, artère. Je vais rentrer cet oxygène dans mes organes, dans mon corps. J'inspire. J'expire, je relâche, je ne pousse pas mon abdomen vers l'avant, hein, je le laisse tranquillement se placer comme il l'entend. J'inspire et j'expire. On fait ça plusieurs fois, on essaye peut-être d'inspirer sur 5-6 temps, de rester là en apnée, quelques secondes, et puis de relâcher 5-6 temps, et de rester à nouveau en apnée quelques secondes, et on fait ça plusieurs fois, tout en mettant le focus sur votre placement et sur cette respiration qui est fluide, naturelle. Pour l'instant, on est surtout dans le placement, hein, dans le bien-être. On est bien là, on est bien placé. D'accord, on ne souffre d'aucune tension. Justement, on met l'accent, hein, sur cette petite tension que l'on peut ressentir à un endroit ou à un autre. Et donc, il faudra y faire attention. On inspire, on expire, et puis petit à petit, on va venir engager. On engage la sphincter pelvienne profonde, hein, pour tout ce bas-ventre, pour venir après engager la totalité de mon centre d'énergie, hein, donc qui partira de mon bassin jusqu'en haut au niveau de mes côtes flottantes. Ça forme un beau carré. Ça, c'est votre centre d'énergie qu'il faudra mettre en place en permanence lors de vos mouvements, d'accord? Votre carburant, votre force, elle est là. On inspire et on expire et on commence à engager le bas du ventre, on contracte le périnée, le coccyx, on vient contracter un petit peu les fesses, très légèrement, attention, on ne cherche pas à bouger au niveau de la colonne vertébrale et à créer des tensions au niveau du carré des lombes. On va juste faire le focus un peu sur ce pli fessier ici. On engage légèrement le pli sous-fessier. D'accord, on inspire, on expire, donc on a fait remonter notre petit hamac ici. On a tendu les petites cordes de notre hamac. Le coccyx et le périnée est bien placé.
très bien, on poursuit, on inspire, on sent ce diaphragme qui descend tranquillement. Sur l'expiration, il remonte et hop, il réengage un peu plus profondément cette petite bille là qui vient monter du pubis vers le nombril. J'ai engagé mes obliques, mon abdos, toute la totalité de mes abdos, puisque mon transverse aussi est engagé, mes grands droits sont placés. Très bien, on va maintenant inspirer en mettant le focus là sur cette partie latérale thoracique, hein, qui fait toute la l'originalité du Pilates, d'accord. On inspire en gonflant ses côtes, en gonflant ses poumons, en écartant ses côtes. Et on expire en rentrant ses côtes, en faisant descendre son diaphragme qui prend son ascenseur, en amenant avec lui les petites côtes. Ici, ces petites côtes, elles descendent en même temps que le diaphragme. Très bien, j'inspire, le diaphragme remonte, mais je contracte un peu plus profondément pour maintenir ces petites côtes ici en place, d'accord. Allez, on inspire et on expire, on met bien en place sa respiration. On inspire, on expire, on est placé. Je viens amener mes bras sur les côtés. Je viens retourner mes bras avec mes paumes direction du ciel, vers le ciel, pour descendre ses côtes, ses épaules. Hein. J'imagine là, alors ceux qui ont des difficultés à tendre vraiment les bras, on n'hésite pas, on vient les fléchir, mais on reste dans l'alignement, d'accord, je ne suis pas sur le côté. J'imagine que là j'ai deux verres d'eau dans chacune de mes paumes et je renverse aucunement une goutte d'eau, d'accord. J'inspire et j'expire. Je vais travailler ici avec mes épaules, je vais faire des petits cercles. Ces petits cercles, ils sont lents, ils sont précis. Ces extensions de bras là, elles viennent bien de mes épaules, d'accord, du bout de mes épaules là, hein, au niveau des petits os là qui sont de chaque côté. Très bien, j'inspire et j'expire, je fais dans l'autre sens. J'inspire, l'acromion, voilà, je cherchais le nom de l'os. J'inspire et j'expire, encore une fois de l'autre sens. Et puis on va agrandir ces cercles. Allez, on agrandit ces cercles. On va chercher un peu loin sur l'arrière. Toujours, j'étire un peu vers l'avant. Très bien. Un peu plus dynamique en allant de l'autre côté. Allez, encore petit cercle. Je maintiens bien le placement. Je suis toujours sur ma respiration. J'inspire. Et j'expire. Je ne viens pas monter mes épaules. Je tire sur mes omoplates. Très bien. Une dernière fois, j'inspire. J'expire. Je viens poser mes bras le long du corps. Je viens écarter mes bras. J'ai mes pouces sur mes cuisses, sur le côté de mes cuisses. Je vais me préparer pour faire une petite centaine là debout. D'accord? Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais inspirer en 5 temps debout et expirer en 5 temps, évidemment, tout en faisant mes petits battements de bras. En fléchissant mes genoux, donc je viens écarter, d'accord, ces genoux, et je maintiens ici mon dos droit, très bien, je ne fais pas basculer mon buste vers l'avant, très bien, allez c'est parti, on est ici, on se place, petit battement, on a ici les pouces écartés, qui frôlent les cuisses, d'accord, allez, on inspire, 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire, 1, 2, 3, 4, 5, j'expire, 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. Descendez progressivement. Remontez progressivement. 1, 2, 3, 5, j'inspire. 1, 2, des petits battements, je vous rappelle, ils viennent de l'épaule. On n'est pas en train de faire de la flottaison. Et je monte sur l'inspiration. Allez, c'est parti. On a fait déjà 50. On continue, on poursuit. On expire.
On inspire, on s'aligne, on s'étire. On expire. On inspire. Allez, des petits battements dynamiques. On maintient bien le prolongement des bras. Les doigts sont dirigés vers le tapis. On inspire. On expire. Allez, la dernière dizaine. On inspire. On expire. On reste ici en bas, on ne bouge plus, on inspire. On expire. On inspire, on se redresse. Super. On va faire des petits enroulements vers l'avant. Et pour cela, je vais venir amener mes bras vers le haut sur l'inspiration. Je vous rappelle que j'ai toujours mes talons bien ancrés dans le tapis, collés l'un à l'autre. Mes bras ici sont dans le prolongement de mon buste, de mon corps. Mes bras sont étirés vers l'avant, d'accord? Vers l'avant, vers le haut, pardon. J'engage. J'inspire. Sur l'expiration, je vais venir amener les bras vers l'avant. Attention, je tiens bien ma ceinture scapulaire. J'ai toujours ici mon ballon imaginaire. Je viens descendre et là, je fléchis mes genoux. Attention, je contracte bien mes fesses. Du coup, je maintiens bien mes talons, mes pieds sur le tapis. Je poursuis l'expiration. Je viens poser soit le bout des doigts, soit la totalité de ma des paumes de main. J'ai mon dos ici parfaitement rincé. J'ai le regard dans mon nombril. Je relâche la tête. J'inspire. Et sur l'expiration, attention, je décolle mes doigts. J'étire, je m'allonge, j'arrondis mon dos. Au fur et à mesure que je remonte, je vais ramener progressivement mes jambes. Coller l'une à l'autre, c'est parfait. J'inspire à nouveau. Expire. Allez, on écarte. Alors on vérifie bien qu'on n'est pas en train de partir trop sur la gauche ou trop sur la droite. On est bien ancré et bien en équilibre sur les deux pieds. Je viens regarder, je relâche ma tête quand je suis en balle. Je pousse légèrement mes fesses vers le haut et je maintiens mes genoux et fléchis. D'accord, j'ai mon regard là dans le nombril. J'inspire profondément. Expiration, je contracte le périnée, je contracte le coccyx, je contracte les fesses. Et je viens remonter délicatement. Une dernière fois, je vais me mettre ici sur le côté, comme ça vous me voyez aussi sur le côté. J'inspire. Expire, je descends, je déroule. J'engage, je tiens bien mes côtes, je tiens bien ma ceinture scapulaire. Je viens bien descendre ici. Mon centre est engagé. Je viens poser mes mains, j'inspire. J'expire, je reste là. Allez, je contracte. Je viens bien placer mes omoplates. Je maintiens mes jambes écartées. Mes genoux sont écartés, mes talons sont bien posés dans le tapis. Mes orteils sont relâchés. Mes pieds, la totalité de mes pieds est ancré dans le tapis. Je vérifie que j'ai bien placé ici mes épaules et mes omoplates. Mon centre est engagé, mes côtes ici sont en bas, je le rappelle. On ne lâche pas. On inspire. Expiration. Je fléchis un peu plus mes genoux. J'écarte. Et je vais venir me mettre à l'avant de mon tapis pour travailler un peu en position assise. Très bien. Je viens me placer. Je le rappelle, ce placement, le dos est droit. Si je veux, je peux venir tirer chacune de mes fesses ici pour bien m'asseoir sur mes petits ischions. Je suis bien placée. Dos, épaules, j'engage, j'inspire, j'expire. Sur l'expiration, je viens venir faire un petit déroulé. Je fais enroulement de mon bassin. Donc mon pubis, il vient glisser, il monte. Voilà, il s'arrondit, il monte, très bien. Je suis sur mon sacrum, j'ai mes mains tranquillement posées ici, soit sur mes rotules, soit à l'arrière de mes cuisses ici au niveau de mes genoux. D'accord? J'inspire ici, expiration, je remonte à la force de mes abdominaux, j'inspire, expiration, je descends. Très bien. On s'arrête là où on est le plus confortable. On inspire, expiration. Monte. Parfait. On va essayer de descendre un peu plus bas. Tout doucement, progressivement. Et on remonte en même temps. On inspire. Expiration, je descends. Donc là, jusque-là, ça allait. Je vais descendre un petit peu plus bas. Je me tiens.
attention, je ne m'accroche pas, je ne m'agrippe pas. Tension place. J'inspire. Expiration. J'en viens, ça va commencer à piquer. Et je maintiens. N'oubliez pas, hein, les adducteurs sont là pour maintenir ces deux jambes parallèles. Ok. On inspire. Allez, on descend. Focus sur la respiration. Contractez, contractez. Descendez bien ses coudes. Allez, on descend un petit peu plus. On est sur les lombaires, là. D'accord? On inspire, on vient vers ses épaules. Et sur l'expiration, je reviens. Remonter, me placer. On inspire. Sur l'expiration, je redescends. Allez, je descends un peu plus. Allez, j'ai posé mes lombaires. J'ai posé des premières dorsales, là. Je tire sur mes épaules. J'inspire. Je ne suis pas venue poser mes omoplates. J'inspire. Expiration. J'en viens, ça va piquer, là. Et je remonte à la force de mes abdominaux. Très bien. Ceux qui ont un petit peu de difficulté là, pour descendre et surtout pour remonter. Alors, on n'hésite pas. On vient amener les deux mains derrière un des genoux. D'accord? On inspire sur l'expiration. Donc, je viens faire mon petit déroulé. Et au fur et à mesure que je viens descendre, je viens amener ce genou vers moi. Je m'y accroche un petit peu, hein, pas sauvagement. Et je viens descendre. Très bien. J'inspire. Et sur l'expiration, évidemment, j'engage et je viens m'aider de ce petit pied qui va m'aider à basculer vers l'avant et ne pas venir avec mon épaule. Et je reviens poser. Parfait, je reviens me placer. On refait pareil. J'inspire. Je viens amener mes deux mains derrière l'autre genou. J'inspire. Expiration, je tire sur mes épaules, je vais contracter. Je viens descendre, j'ai décollé mon pied. Je viens glisser. Les lombaires, les dorsales. Très bien. Je suis arrêtée ici au niveau de mes omoplates. J'inspire. Expiration. Je pousse. Allez, j'amène ce pied vers l'avant. Ce genou qui m'aide. Attention, je ne mette pas de mes épaules. Et je reviens me placer. On peut se soulager en respirant un petit peu. Et en relâchant. Attention, on inspire. Hein, on est en vacances là. Ah non, je vous rappelle, hein, c'est le confinement, mais ce n'est pas des vacances. On inspire, on expire. On va venir descendre, cette fois-ci pour faire son petit roll-up. Alors, deux versions roll-up, hein, version facile avec donc ce genou qui vient se décoller, fléchi, ce pied qui vient se décoller, ce genou fléchi qui va nous aider à descendre et à monter. Et ceux qui le peuvent, ils sont en jambes tendues, bien sûr. D'accord? Alors, je démarre avec la version simple. Je suis droite. J'inspire, sur l'expiration, je suis venue descendre tout doucement, j'ai amené mes deux mains derrière mon genou, je décolle ce pied, le genou vient ici se mettre progressivement en tablette au fur et à mesure que je descends, très bien, super, je reste là, mon genou est en tablette, j'ai tenu mon genou à l'arrière, je m'y accroche tout doucement, souplement. Je viens placer mon occiput ici, mes épaules, mes omoplates, j'inspire. Expiration. Je viens décoller ma tête. Je décolle mes épaules. À ce moment-là, mon genou, toujours fléchi, le pied part vers l'avant. J'engage. Je remonte. Allez, on y va. On monte sans les épaules. Et on vient placer. Super. Hein? Roll-up version débutant, facile pour ceux qui ont des difficultés. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Si on n'y arrive que à remonter ici qu'un tout petit peu et que vraiment là, c'est plus possible, quoi. Et bien, c'est pas grave. On redescend et on recommence. Et petit à petit, on va y arriver à remonter un peu plus profondément, là. Profondément par les abdos. Je rappelle, on travaille par les abdos avec sa respiration. Hein, je pousse sur l'expiration. Alors, on continue comme ça, les débutants. D'accord? Et ceux qui sont un petit peu plus affûtés, un peu plus déjà affirmés au niveau de leur capacité à la fois respiratoire et surtout abdominale, et on va venir descendre tranquillement ici. Hein. On contracte, on ne vient pas se jeter sur le tapis. Je rappelle que ceux qui ont du mal au niveau de la nuque, on a toujours un petit coussin avec soi. Ce petit coussin est là pour nous placer au niveau de l'occiput, d'accord, pour maintenir sa petite mandarine ici. Parfait. Je viens tendre mes deux jambes. Les talons sont ancrés dans le tapis, les pieds sont flex.
D'accord. Donc flex, et c'est pas pointé. Ça c'est pointé, ça c'est flex. D'accord. On a les talons plantés, les épaules, les omoplates sont glissées. J'inspire, expiration. J'engage. Courbure naturelle ici. Courbure naturelle. D'accord. J'engage, j'inspire. Je viens amener mes deux bras parallèles, perpendiculaires à mon corps. Les paumes se font face. Les doigts sont dirigés vers le ciel. J'inspire à nouveau. J'expire, j'engage. J'inspire. Expiration, je décolle la tête, je décolle les épaules, je prends bien appui sur mes talons, j'ancre bien les côtes et je viens remonter et j'étire, j'inspire, expiration, je me redresse, j'inspire, expiration, je déroule tranquillement, je me laisse glisser. J'engage au maximum. Attention, je ne me jette pas sur mon tapis. Je viens placer mes épaules. Je rappelle ces épaules. Elles restent dans le tapis. J'inspire. Poussez. On récupère les talons dans le tapis. Allez, on étire, on engage. On est au-dessus d'un ballon imaginaire. On étire, on vient placer ses épaules. Je le rappelle. J'inspire. J'expire, je descends. Allez, une dernière pour le plaisir, c'est tellement bon. On inspire, on vient bien toujours se placer, vérifier votre placement. Et monter avec le centre engagé, d'accord. On inspire, expiration, j'engage. Allez, je souffle, je soulève la tête, les épaules, j'engage. Sacrum coulé, les pieds sont collés. Je monte, allez, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Je pousse, j'étire. Attention, décroche, décroche pas sa ceinture scapulaire. On est toujours ici dans l'engagement. J'inspire, expiration, je me redresse. Je vais venir descendre tout doucement, à nouveau. Je vais placer mes mains. Et je mets, je respire un peu, je laisse infuser tout ce petit travail abdos là. Hein, gros travail d'abdos. De placement, d'alignement, hein. Vous vous concentrez, hein. Vous m'écoutez, mais vous vous concentrez surtout sur vous, sur votre placement, sur cette respiration. Est-ce que je suis bien placée? Est-ce que je respire correctement? Est-ce que ça me crée des douleurs quelque part? Est-ce que je dois améliorer ma position? Essayez d'être de plus en plus précis dans votre mouvement, chercher plus loin encore, d'accord, dans la précision. On va faire des ciseaux. Alors, ciseaux version simple pour l'instant. Et ensuite, j'enchaîne avec la version un petit peu plus confirmée. D'accord. On est ici. On inspire. Sur l'expiration, je vais amener genou droit en tablette. Genou gauche en tablette. Super. On inspire. Sur l'expiration, je vais amener mon genou gauche vers moi. Accrocher l'arrière de ce genou gauche-là. Sur le niveau quand même de mon ischio-jambier, hein. Je ne suis pas dans le creux poplité, d'accord. Je suis là, je suis bien placée, j'inspire, l'autre jambe est en tablette, j'inspire, donc je viens pousser cette jambe vers moi, expiration, je change. Vous voyez, donc pendant qu'un pied, les orteils viennent poser légèrement sur le tapis, l'autre genou vient à moi, d'accord, j'inspire et j'expire. Et je pousse. Allez, on vient fléchir ici, hein. On inspire, j'inspire, j'expire, allez, on lâche pas le triangle ici, on inspire et on expire. Pour les autres, on a une jambe tendue qui est presque au-dessus du tapis, l'autre jambe qui est venue ici s'étirer au niveau du bassin, d'accord, alignement. Très bien, j'inspire et j'expire. J'inspire, j'expire. Et pour aller un peu plus, allez, on cherche un peu plus, on vient décoller la tête sur l'expiration, décoller les épaules, on inspire et on expire. On engage. Attention, je ne viens pas décoller mes épaules sont toujours placées.
Inspire. Expire. Inspire. Allez, on amène un peu plus cette jambe. Hein. Et attention, je ne viens pas arrondir mon dos. Je suis toujours étiré, juste décollé au niveau des omoplates. Inspire. J'expire. J'inspire. Allez, alignement. Alignement. J'inspire. J'expire. Une dernière fois, j'inspire. J'expire. Je reste ici. Je ramène sur l'expiration mes deux genoux en tablette. Je me prépare à faire une autre centaine. Allez, on reste engagé. Les bras sont tendus. Les doigts sont dirigés vers l'avant. J'ai passé mes épaules. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. On peut avoir les pieds souples. On inspire, on engage. Allez, c'est chaud, hein, ça commence à chauffer là. Hein. C'est bien. On inspire, on expire. Ceux qui veulent, sur l'inspiration, on vient amener la jambe à 45 degrés. Revenir sur l'expiration ici. Je inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Allez, on tient bien les épaules. J'inspire, j'expire. Et ceux qui veulent, on vient tendre ici, les jambes se collent et les pieds sont en V pilates. On inspire, on est à 45 degrés. Attention la courbure, on engage, on inspire, on expire. Allez, il reste une vingtaine. On inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire, on bouge plus. Expiration, je ramène mes genoux vers moi. Je viens descendre ma tête. Ça chauffe, hein, ça fait du bien, hein, impeccable. On va venir se mettre en shoulder bridge. On va poser les pieds sur le tapis. Donc je vous rappelle, hein, pour le poussin. Et ici, hop, shoulder bridge, on est placé. Alors d'abord on va juste faire des petites remontées du bassin tranquillement. Et petit à petit, on va améliorer en apportant d'autres petits exercices pour engager un peu plus les fesses, particulièrement. D'accord? On vient coller ses jambes dans un premier temps. Les chevilles et les genoux. Je viens placer mon occiput, les épaules, je rappelle, on inspire. Sur l'expiration, j'engage. Courbure naturelle. J'inspire. Sur l'expiration, j'enroule mon bassin, je viens lever. Ah, j'imagine, j'ai un câble. Qui me soulève. Je suis ici, j'inspire, je regarde bien le plafond, j'inspire, sur l'expiration, je viens dérouler tout le dos, attention, du haut jusqu'en bas et retrouver la position naturelle de mon bassin. Allez, on fait ça encore une fois. On inspire, on expire, on engage. On vient monter, on est placé, très bien. Allez, on va bien les pommes de main dans le tapis. On est placé, on inspire. On garde bien les genoux, les chevilles collées. Expiration, je vais m'amuser à faire des petites pulsations en 10 temps. D'accord, j'inspire. Expiration. Je pousse, je descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'inspire, je remonte. Je m'étire. Allez, encore une fois. J'inspire. Et expiration, je déroule, je contracte bien pour garder mes deux genoux à coller. Et je viens descendre. Super. Je viens écarter mes jambes un peu plus larges que mon bassin. Les genoux fléchis, mais je viens venir coller mes deux genoux. Je vais mettre ici de ce côté, juste pour vous montrer le mouvement, d'accord? On est ici, allongé, on a les jambes légèrement écartées du bassin, et je vais venir coller mes deux genoux, d'accord? On est placé ici. Et donc sur l'inspiration, expiration, j'engage, inspiration, je viens soulever sur mon bassin, j'enroule, j'étire, attention, je garde mes deux genoux collés. Je sens bien ici que ça va tirer au niveau des fesses, on engage les fessiers et on engage les ischio-jambiers à fond. Je maintiens ces deux genoux collés, j'inspire là-haut.
Expiration, je déroule pareil mon dos progressivement jusqu'à poser mon bassin au sol. Position naturelle. Je reviens me mettre dans cette position. Parce que je ne vous vois pas sinon. Très bien. Là, je vous vois mieux. Alors, on se rappelle. Genoux écartés, enfin, genoux collés, les jambes légèrement écartées, les pieds, je vous rappelle, sont désancrés dans le tapis. On inspire. Expiration, je déroule et je monte. Allez, je maintiens bien ces deux genoux collés. Attention, j'ai mes deux pieds bien ancrés dans le tapis. Ils sont souples, hein, tranquilles. Et je viens engager. D'accord? J'inspire. Je vérifie bien les côtes ici, qu'elles soient bien en bas, bien étirées. Je sens bien ici l'engagement au niveau de mes fesses. J'inspire. Expiration. Au fur et à mesure que je descends, allez, je maintiens bien ces deux genoux qui ont envie de se décoller. D'accord? Super. Autre mouvement. Je ramène mes deux chevilles. Collées. Cette fois-ci, je viens écarter les genoux. J'inspire. Et sur l'expiration, je garde mes deux pieds collés. Je viens monter. Là, on sent que c'est un petit peu différent là. On a toujours cet engagement au niveau des fesses. C'est un petit peu différent au niveau des ischio-jambiers. On sent beaucoup plus le travail au niveau des adducteurs ici. D'accord? On inspire. Expiration. Je maintiens l'écartement de mes deux genoux. Attention. Je ne fais pas basculer. Et je viens descendre. Pareil, je vais me mettre de ce côté. Que vous puissiez voir ce que ça donne. On est donc placé, je vous le rappelle. On a les jambes ici, les chevilles bien collées. On est venu écarter. On inspire. Sur l'expiration, je viens dérouler, remonter. Je maintiens bien l'écartement ici. J'engage. Je sens bien ici mes adducteurs tirer. Les quadriceps et les ischios sont bien sûr engagés ainsi que mes fessiers. J'inspire. Expiration. Je déroule doucement. Je maintiens bien mes deux talons placés et mes deux genoux bien écartés. Inspire. Sur l'expiration, je recommence. Je monte. Redescends progressivement au niveau de mon dos. Ok? Allez, une dernière fois, je vous regarde. Allez, on est placé. Super. Je rappelle, les chevilles posées. On inspire. On expire. Allez, une dernière fois avec moi. On inspire, expiration. J'engage. Allez, je monte. Je monte progressivement. Je monte pas comme un Brutus là. Je monte tranquille. Je vérifie ici mon alignement. Mes côtes, mes mains sont bien placées, mes épaules, mon occiput. Je suis bien là. Allez, donc je serre un peu plus. Je contracte un peu plus les fesses pour écarter un peu plus ces genoux. Allez, je suis bien là, j'inspire. Expiration, je déroule. Allez, je déroule. Attention, je ne vais pas descendre mon dos. Je déroule, donc je suis obligée de prendre bien appui sur mes pieds. Venir dérouler cette colonne vertébrale. Venir placer. Sympa ça. Je ramène si je veux un peu mes deux genoux vers moi. Je tire, je garde mon dos dans le tapis. Je tire mes épaules, je m'oplate, j'inspire. J'amène un peu plus mes genoux vers moi, mais sans décoller le sacrum. J'inspire, j'expire, j'inspire. Expiration, je vais venir glisser sur le côté pour attaquer une petite série de kicks. D'accord? Alors, on va se mettre ici. Le genou au sol, la jambe qui est au sol, le genou est fléchi légèrement vers l'avant. La jambe du dessus est étirée. Très bien. J'essaye de placer mon bassin. Ici, j'ai ma main avec mes doigts bien écartés sur le tapis. J'ai mon coude au niveau de mon poignet. Le poignet, il est au niveau du coude, ça on est d'accord. Hein. Mais on a surtout le coude au niveau de son épaule. Attention. Hop. Toujours éloignement de l'oreille par rapport à cette épaule. Très bien. Cette main, elle vient se poser sur le tapis. Elle est posée, elle est étirée ici. Les doigts sont ancrés dans le tapis. Je tire cette épaule droite pour essayer d'aligner cette épaule avec l'autre. D'accord? On est placé. Je forme ici un joli petit triangle rectangle. D'accord?
d'accord, je suis venue engager, je ne suis pas écrasée. Engagé, étiré, très bien, je suis placée. Je vais venir faire un travail au niveau du rotateur de la hanche. Je le rappelle, à chaque fois que je vais faire ce travail, je n'ai pas creusé ici au niveau du flanc. Hein. Tout est bien engagé, étiré. Ventre engagé ici, ça doit être tout dur. On ne doit pas sentir de creux. Ok ? Alors, dans un premier temps, j'inspire, je viens monter ma jambe. Autour du bassin, hein. D'accord ? J'inspire. Je flexe, je descends sur l'expiration. Allez, on monte, j'inspire. J'inspire, je descends. Je monte. Je descends, je suis précis, attention. Je sens que je suis bien étirée, bien engagée. Mes muscles posturaux sont engagés. La dernière fois, je monte. Je descends, super. Je remonte sur l'inspiration. Et sur l'expiration, je vais amener cette jambe vers l'avant. Alors, je l'amène aussi loin que je peux. Attention, sans bouger ici l'alignement de mes épinilles. J'inspire. Expiration, flex. Et je viens dérouler et étirer derrière. J'étire derrière, attention, sans faire tomber les fesses. Ok ? J'inspire ici. Je pointe. Expiration. J'inspire. Flex. Expire, je pousse. Votre placement des épaules, engagement, j'inspire, expiration, j'amène cette jambe vers l'avant, allez, je l'amène un peu plus loin, flex, j'inspire, expiration, je déroule vers l'arrière, super, une dernière fois, allez, c'est parti, on inspire, expiration, j'amène vers l'avant, allez, un peu plus loin, j'engage, je sens que ça pique. Expiration. Cette fois-ci, je reste ici et je vais m'amuser à faire des petits cercles. Allez, j'en fais 5 dans un sens et 5 dans l'autre. Ah, j'imagine que j'ai un stylo pointé sur mon orteil là et que j'ai une belle feuille blanche en face. Et je dessine des beaux cercles. Je fais pas des carrés, hein. Ok ? Et je fais des cercles. Et j'en fais dans l'autre sens aussi. Ah, ça va commencer à piquer. Ça va chauffer là, hein, au niveau des fesses. Très bien, mais c'est ce qu'on veut. Hein. Anti-culotte de cheval, ça. Et je continue une dernière fois. Attention, je ne lâche rien. Je ne bouge plus, j'inspire. Expiration. Ouh, je relâche. Nickel. Je vais venir me placer au niveau du ventre pour faire un back extension. Ok. On va venir ici amener les deux mains collées sur les cuisses. Les doigts sont dirigés vers les pieds. J'ai mes jambes collées. Très bien. Mes épaules, bien sûr, sont décollées du tapis. Je ne suis pas effondrée. On ne fait pas la sieste. On a le bout du nez dans le tapis. On a tiré ses épaules. On a tiré ses omoplates. D'accord ? Sur l'inspiration, donc évidemment, j'engage d'abord. Inspire, j'expire, je sens bien mon pubis. J'ai libéré mes petites coccinelles ici au niveau du tapis. Très bien, j'inspire à nouveau, je vais venir décoller. Expiration, je descends. Une autre fois, j'inspire, je monte. Allez, plus haut peut-être. Expiration, je descends. Cette fois-ci, je vais monter sur l'inspiration et je vais lever mes bras autant que je peux tout en étirant. Expiration, je reviens placer mes bras en même temps que le bout du nez vient se placer sur le tapis. Une dernière fois, je monte sur l'inspiration. Cette fois-ci, je décolle les bras. Expiration. Même chose avec les jambes cette fois-ci. J'inspire, je monte, je décolle les bras, je décolle les jambes. Attention, j'ai mes deux épinilles dans le tapis. J'étire. Expiration. Je déroule. Le bout du nez vient se poser sur le tapis en même temps que mes pieds. Vérifiez bien tout ça. J'inspire, je monte. Allez, j'étire, je m'agrandis, j'engage, j'inspire, j'expire, je reste là. J'inspire, expiration, je descends. À nouveau, j'inspire, je monte. Expiration, je descends. Super.
super. Je viens amener mes mains de chaque côté de mes épaules. Je prends appui. J'inspire sur l'expiration. Je prends appui sur mes mains. Je décolle mon buste. Je viens étirer. Je m'assois les fesses sur mes talons. Allez. En même temps, je tire sur mes bras. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Je prends appui sur mes mains. Et je viens me mettre de l'autre côté. Ok? Allez. Évidemment, on va faire le kick de l'autre côté, sinon on ne va pas être très équilibré au niveau des fessiers. Allez, je rappelle. Massement des bras, les mains, les épaules, le genou fléchi, l'autre jambe tendue, les deux épinilliaques ici sont bien placées et étirées. Je sais, vous avez chaud, vous avez soif, ben vous avez le droit de boire un coup hein, quand même, ben, de l'eau, je m'entends. Et ben, pour ceux que, hein, qui sont en train de boire un coup, je suis en train d'expliquer le placement. Très bien. Je viens bien étirer ma jambe, épinilliaque placée, les deux épaules sont placées, ma main, ok, impeccable. J'ai ma mandarine, j'ai mon gros triangle rectangle ici placé, j'ai engagé. Je sens bien hein, quand je souffle, hein, c'est quoi qui vient de descendre, et ici l'engagement de mes obliques, d'accord? La taille fine, elle est bien placée. Bon, c'est bon, vous avez fini de boire un coup, on vient se placer, on inspire, on vient monter. Expiration, je flexe et je descends. J'inspire, je monte. J'ai du bassin, hein. Expiration, je descends. Super. Focalise bien sur votre inspiration. Ne lâchez rien, tirez bien. Le travail de la hanche, attention. On ne vient pas s'effondrer, on tient bien. On monte sur l'inspiration. On descend sur l'expiration. Super. On inspire, on monte. On reste ici. On inspire à nouveau. Et on vient amener sa jambe gauche vers l'avant. Très bien. On flexe. Expiration. Je maintiens le bien paralysme ici. Hein, je ne suis pas là. Hein. Et je pousse. Attention. J'inspire. Je repointe. Expiration. Je pars pointe pointée vers l'avant. J'inspire. Je flexe. Expiration, je pars. J'inspire. Expiration. Allez, c'est bon. Super. Allez, on gagne un peu plus de terrain. On peut aller un peu plus loin peut-être. Attention. Toujours placé. Expiration. Je pars vers l'arrière. Allez, attention les fesses. Toujours l'engagement, on lâche rien. Une dernière fois, c'est parti. J'inspire. Expiration, je pars vers l'avant. J'inspire. Expiration. Ouh, super. Je reste ici. Je reviens me placer. Je pars sur des petits cercles. Allez. Attention, cette jambe est toujours dans l'alignement de mon buste. J'ai toujours mon doigt pointé avec mon stylo, mon marqueur. Ah, ça commence à chauffer. Ah ben oui, c'est normal. Ça chauffe aussi de ce côté, c'est normal. Allez, on poursuit. On maintient bien le parallélisme. On inspire, attention, on ne se promène pas sur ton tapis. On est bien ancré. Et allez, on va dans l'autre cercle. On inspire. On expire. On inspire. Allez, un dernier petit cercle. Je reste ici, je ne bouge plus, j'inspire. Je m'aligne, je m'agrandis. Expiration, je ramène les deux genoux. Appuie sur ma main, super. Je viens ici me placer. Quatre pattes. Je viens amener mon genou droit vers l'avant et je vais venir poser mes fesses. Ma fesse droite sur le tapis. D'accord? Je ne suis pas décollée ici. J'ai ma fesse droite. J'oblige ici mes épaules à rester alignées et avoir l'alignement de mon bassin. Cette jambe, elle, pour l'instant, elle est placée au sol. J'inspire ici. Et j'expire. Allez. On étire le psoas ici. D'accord? Ce muscle-là postural aussi est responsable souvent de maux de dos importants. D'accord? Surtout pour ceux qui travaillent souvent assis. On inspire. On expire. On peut décoller juste le genou gauche ici. Mais en mettant la fesse
droite dans le tapis. Attention, je ne décolle pas. J'étire. Ça va piquer un peu là aussi. Hein. J'inspire, expiration. Si je peux, ben, je vais venir ici, pousser mes bras vers l'avant, étirer, poser mon abdomen et ma poitrine sur mon adducteur de la jambe fléchie et je m'agrandis. Allez, j'essaye d'avoir mes deux mains au même plan. J'inspire, j'expire. Je tire un peu plus la jambe tendue. J'inspire, je relâche la tête. Le front est posé sur le tapis. J'embrasse mon genou. J'inspire, j'expire, j'engage. Je ramène les deux mains. Très bien. Pose mon genou. Je reviens me placer. Je vais faire pareil de l'autre côté. Allez, on vient bien poser sa fesse. Pour l'instant, le genou, il est placé sur le tapis. D'accord ? Je viens juste faire un petit placement. Mon genou est fléchi, mon orteil. Mes orteils sont bien dirigés de l'autre côté là-bas. Je viens étirer d'abord, me placer. J'oblige mes épaules à rester ensemble, alignées, mon bassin à rester aligné et laisser ma fesse étirer. Je sens un étirement au niveau de la fesse, hein, au niveau du piriforme. C'est normal et c'est très bien. Je soulage mon psoas, j'inspire. J'expire, je viens décoller le genou de la jambe tendue. Si je peux. J'inspire. Et puis si je peux aussi, je vais venir amener mes deux bras vers l'avant. M'allonger sur mon adducteur, là, sur ma cuisse. Je viens poser le front sur le tapis. J'étire, je tends mes bras. J'essaie d'avoir mes deux mains au même plan. J'inspire. Je laisse ma fesse dans le tapis, je soulage le psoas, je tire, je décolle le genou, pied pointé. J'inspire. 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 Et j'expire. Super. Allez, on vient ramener main droite, main gauche, se placer. Hop. On vient amener les deux pieds ici vers l'arrière. On vient se mettre en chien tête en bas. On fait un beau triangle. Ceux qui ont du mal, on n'hésite pas. On vient fléchir les genoux. On vient surtout chercher un étirement du dos ici. Sans lâcher les abdos. Je rappelle ici qu'on a toujours les côtes engagées. Allez, on reste ici. On inspire. On lève les fesses. Allez, on essaie de poser les talons sur le tapis. Expiration. J'expire. Et puis je viens mener pied droit vers la main droite. Cette fois-ci, j'ai mon abdomen sur ma cuisse. Je ramène pied gauche à côté. Cette fois-ci, j'ai l'abdomen posé sur les deux cuisses. Toujours mes bras étirés. J'inspire. Sur l'expiration, pied droit, pied gauche. Très bien. On a les fesses toujours dirigées vers le plafond. On est toujours avec le regard dans son nombril. Engagement, je tiens bien sur mes bras, bien étiré, j'inspire. Expiration, j'enroule. Allez, je déroule ce dos. Oh. Super. Je me mets face à vous. On est placé, on revient tout en place. Étiré, allongé, on inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Eh bien, je vous remercie. J'espère que ce petit cours vous a fait du bien. N'hésitez pas à le faire et à le refaire autant de fois que vous voulez. Si, 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 j'y tiens. Allez, je vous dis à la prochaine. À bientôt.